300 euros. Bonjour, je suis Laurent, machiniste au dépôt RATP de Montrouge, militant à lutte ouvrière. Donc je voudrais m'adresser à tous. Les machinistes discriminés de 300 euros sur leur paye, comme ceux qui ont ces 300 euros, et en fait à tous les camarades de tous les secteurs de la boîte. Voilà, il y a eu cette réunion où des embauchés ont crié leur colère contre cette discrimination, hein, racontant les fins de mois difficiles, les horaires changés la veille pour le lendemain, les mensonges lors des recrutements. Bref, tout est bon pour exploiter les travailleurs, les mépriser, pour faire du profit. Ils appellent à la grève les 21 et 22 mai. Bien sûr, il faut que ce soit un mouvement fort, hein, mais c'est l'occasion pour nous tous, qui sommes tous en colère pour bien des raisons, de rejoindre ce mouvement pour inverser le rapport des forces. Bien sûr, il y a les salaires, hein, avec ce que propose la direction pour 2024, c'est sous l'inflation, c'est ridicule, 4 sous en juin, 4 sous en décembre, on se moque de nous. Et puis il y a tous les autres problèmes de conditions de travail, de grilles de repos, d'horaire dans tous les sens. Voilà, alors on a l'occasion d'inverser le rapport de force. Si on parvient à faire reculer la direction sur cette discrimination, on sera en meilleure situation pour la faire reculer sur tout le reste. Alors, ils feront pas de nous des esclaves. On va se battre. Ce qu'on essaye de faire ici, c'est de se réunir, c'est d'essayer de voir comment se recenser les uns les autres, qui peut participer, qui peut venir à la grève, faire notre assemblée générale, peut-être sortir un tract pour s'adresser à tout le monde, faire des vidéos, tourner dans les terminus à plusieurs. Bref, on peut se regrouper, s'organiser. C'est ça ce que moi, je pense qu'on peut essayer de faire pour réussir et aller de l'avant et inverser la situation dans le sens des travailleurs, pour tous les travailleurs en fait.